C'est vraiment facile d'avoir une admission sur Campus France. Et oui, mais pourquoi et comment? Il faut savoir faire les choses. C'est très important, les amis. Quand on vous parle, il faut écouter. Si vous voulez avoir une admission sur Campus France, il faut bien préparer vos démarches sur Campus France. Anticipez tout. Entretien, projet d'études, projet professionnel, dépôt de dossier, cursus, panier de formation, tout. Les amis, je vous conseille quelque chose. Vous avez des profs, vous avez des responsables de formation, vous avez des directeurs, vous avez tout. Essayez de trouver des lettres de recommandation de vos professeurs, de vos responsables de formation. Essayez de trouver des lettres de recommandation de vos responsables de formation, les amis. C'est très important. Ça va vraiment vous aider. Ça va appuyer votre dossier d'obtenir une admission. C'est très important. Je vous parle par connaissance de cause. Les lettres de recommandation vous aideront à obtenir une admission sur Campus France. La deuxième chose, essayez de voir les mails, les numéros de responsables de formation, de votre formation. La formation que vous allez postuler ici en France, vous contactez directement le responsable de formation. Vous lui envoyez une lettre, pas exactement votre lettre de motivation, mais bien sûr avec le même projet de titre, le même projet professionnel. Vous expliquez pourquoi vous voulez postuler au sein de cette université. Vous lui faites savoir que c'est lui le responsable de formation. Vous savez que c'est lui. Vous postulez et il va bientôt recevoir votre dossier. Et comment il va recevoir votre dossier, c'est ça, c'est ça. Vous lui expliquez. Donc, comme ce n'est pas une lettre de motivation ni une lettre de recommandation par vos responsables de formation, vous lui expliquez tout, votre parcours, votre projet d'études, votre projet professionnel, vos motivations, pourquoi vous postulez, c'est très important. Donc, négligez pas ces deux choses-là, lettre de recommandation par vos responsables de formation, par vos professeurs, et contactez le responsable de formation d'ici. Pour ça, on se dit à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car c'est gratuit et c'est avec ça qu'on pourra continuer à faire des vidéos et aussi à vous accompagner gratuitement, les amis. À la prochaine vidéo.